Hop, salut à tous. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Déjà, si vous m'entendez, ça serait bien de le dire. Un petit bonjour à Atlantis, à Fred, Golem 13, à Magdès, à Moonbeam, à Roudoudou, à Riti et à Taudus qui sont présents sur le chat Amstrad U. Un petit bonjour à ceux qui sont sur Twitch, mais comme je ne regarde pas Twitch, je ne vous vois pas. Voilà. Et puis bah aux autres. Voilà. Et puis à ceux qui me regarderont sur YouTube, par exemple. Ah bah tiens, alors, ça m'énerve, on ne voit pas mon t-shirt. J'aime bien mettre mes t-shirts dehors et puis montrer un peu mes t-shirts. Ce t-shirt a une particularité. Je vais me lever. C'est que c'est le t-shirt de la dernière tournée de Black Sabbath, c'est marqué derrière, on voit pas, bah, j'ai mes poils par-dessus. Hop, c'est pas pratique. Je sais pas si vous voyez. Enfin bref, c'est le t-shirt de la dernière tournée, dernière de chez dernière, puisque de toute façon Black Sabbath n'existe plus. Voilà, donc un petit t-shirt pour changer. Je vais remettre les poils un peu correctement. Vas-y, derrière, là. Dire une gonzesse. Je vais remonter un peu ça, du coup, voilà, on y est. Alors aujourd'hui, petit stream, parce que vu qu'il fait un temps tout pourri, bah on va essayer de s'occuper un petit peu, même si j'ai plein de trucs à faire, j'ai toujours un graphe à finir pour un petit projet là, qui se terminera dès que j'aurai fini le graphe. Enfin, dès que j'aurai fini, j'aurai encore quelques petits trucs à faire, mais voilà, pour un petit jeu en cartouche. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Est-ce que j'avais des trucs à dire? Non, j'ai rien de particulier à dire. On va essayer de finir Addams Family aujourd'hui. Donc deuxième partie d'Addams Family. Et on fera un deuxième jeu. Alors, au choix, c'est vous qui me direz celui que vous préférez. Soit Strike Force Cobra, qui est un jeu de Cobra Soft en 3D ISO. Dont la solution avait été donnée dans le dernier numéro d'Amstrad 100%. Donc on essaiera avec, si vous choisissez ce jeu, on essaiera avec la solution de finir le jeu, sachant que je ferai beaucoup de sauvegardes de snapshots, puisque j'ai joué un peu et même avec la solution, a priori, c'est pas gagné. Donc on verra. Donc soit Strike Force Cobra, soit Blackland, un jeu de Bolaware, qui est un espèce de RPG en 3D ISO. Où j'ai jamais réussi à aller très très loin. Et donc le but du jeu, ce serait d'essayer d'insister un petit peu justement pour y arriver. Donc voilà, ce sont deux jeux en mode 1 qui sont tous les deux en 3D ISO. Et donc on verra en fonction. En fonction de ce que vous choisissez. Alors, Magdès, qu'est-ce que tu nous racontes? Salut JDG. N'importe quoi, allez. Quelle belle chevelure, tu sors du coiffeur. Ouais, t'es jaloux depuis que t'as plus de cheveux, c'est ça, non? Non, je sors pas du coiffeur. Le coiffeur, il m'a pas vu depuis très, 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 très longtemps. C'est pas grâce à moi que les coiffeurs arrivent à survivre. Bah, long play RPG, oui, si on fait Blackland, ça dépend de ce que vous décidez, puisque vous avez le choix entre. De toute façon, je ferai les deux, un de ces quatre. Voire même, on peut faire un petit peu des deux. Hein. Ça, c'est pas exclu, ça dépend du temps que dure le stream, sachant que j'ai pas que ça à foutre non plus, donc j'ai pas non plus faire un stream de 4 heures. T'as toujours plus de cheveux que moi. Ah bon? Tu les as gardés dans un tiroir. Bon, bref. Tout à l'heure, ça parlait de la souris sur CPC, d'un adaptateur souris USB. Donc, comme je le disais, ouais, c'est bien gentil. Seulement, il n'y a rien sur CPC qui gère une souris correctement. Ça gère pas une souris, ça gère rien. En fait, ça gère un joystick. Donc là, la souris, elle est utilisée juste parce qu'elle retranscrit les signaux de la souris vers des signaux directionnels du joystick. Donc ça n'a pas grand intérêt puisque le déplacement il n'est pas dynamique.
C'est un pauvre déplacement. Tu vas vers la droite, ça va vers la droite, quoi. Comme faisait l'AMX sur ses PC, sachant au passage que l'AMX sur ses PC ne fonctionne que sur ses PC old. Puisque sur ces PC Plus, ces gros cons d'Amstrad ont fait l'économie de souder, de ne pas souder le troisième Fire, parce qu'il y a trois Fire sur un CPC. Je ne sais plus sur quel. Où est-ce qu'on le retrouve sur le test clavier? C'est le bit 6 de la ligne 9, par exemple, pour le joystick 1, qui gère effectivement un troisième Fire. Donc, si vous voulez avoir une AMX sur un CPC Plus, ben, vous aurez l'obligation de faire un petit peu de soudure et de relier cette fameuse broche Fire 3 directement sur l'Asie, qu'il me semble, puisqu'ils ont fait même l'économie de faire arriver la piste jusqu'à la prise. Donc, c'est un peu la merde. Faudrait que je regarde ça de plus près. Ça peut être intéressant de ressouder un troisième Fire et éventuellement de faire une petite bidouille, puisque sur les manettes Mega Drive, il y avait trois Fire. Donc, est-ce qu'on peut mettre une manette Mega Drive avec trois Fire sur un CPC Plus? Ça pourrait être sympa. Éventuellement, pour les jeux, ce serait quand même vachement pratique. De mon côté, actuellement, je suis en train de faire donc un graphe pour le jeu El Capitan Trueno, qui est un petit jeu d'arcade bien sympa sur CPC. Donc, je refais un graphe full screen pour l'intro, puisque je compte faire une cartouche avec juste une toute petite adaptation de palette pendant le jeu. L'intérêt, ça a été surtout de repasser le jeu sur joystick uniquement. C'est-à-dire que dans ce jeu, on a trois personnages qu'on choisissait avec le clavier. Donc, on pouvait changer de personnage avec le clavier. Là, ce sera plus le cas, puisqu'on se servira du Fire 2 et des directions en même temps, puisqu'on peut se servir du Fire et appuyer sur un bouton de direction en même temps, pour changer de personnage, qui est quand même vachement plus pratique. Bref, voilà, donc ça c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, puisque j'en avais un petit peu marre de coder mes trucs. J'ai un peu envie de changement, donc il fallait que je fasse ça. C'était un truc rapide à faire. Là, le jeu fonctionne actuellement avec les boutons de Fire comme je l'ai mis. J'ai viré dans le menu les trucs pour redéfinir le clavier. Donc j'ai modifié un petit peu le menu vite fait, ce qui était un peu chiant puisqu'ils avaient mis un checksum sur le menu, rien que pour me casser les couilles. Bon, ça a été rapide à trouver, puisque avec les options de WinApp qu'on a actuellement, on peut sélectionner une zone de mémoire et regarder si elle est lue. Donc ça a été vite fait, hein. J'ai sélectionné le texte du menu, mis un petit breakpoint on read dessus, et du coup j'ai très vite vu qu'il y avait une routine qui lisait ça, qui faisait une petite comparaison, donc ça a été vite fait de la niquer. Bref, voilà, ça a été résolu. Donc le jeu en lui-même fonctionne. Donc j'ai juste ma page d'intro à terminer. Refoutre tout ça dans l'ordre. Et en faire une cartouche, ce qui ne devrait pas prendre énormément de temps une fois que j'aurai fini le graphe. Mais bon, là, le graphe, il n'est pas terminé, j'en suis à pas mal d'heures et c'est pas terminé. Voilà. Et voilà, j'ai acheté un accessoire, baby, mais MacDess, justement, alors MacDess dit que la souris, ça sert à rien puisque le CPC peut pas le faire et qu'il faut acheter un accessoire. Et ben oui, MacDess, mais justement. Imagine que tu fasses un jeu qui fonctionne qu'à la souris. Si tout le monde n'a pas l'interface souris, personne ne peut y jouer. Voilà. Donc on rejoint toujours le même problème, c'est que dans ce cas-là, il faut vendre ton jeu et le vendre avec l'interface. C'est en gros la seule vraie solution. Sinon, un format de souris avec le port analogique, ouais, ça ce serait cool. Non seulement une souris, mais aussi un pad analogique. Alors moi, mon petit rêve perso sur CPC Plus, ce serait d'avoir une manette avec ce type de stick. Les sticks que tout le monde connaît, les sticks analogiques, c'est-à-dire d'avoir juste une manette. Alors, on supprime, hein, c'est pas possible, je suis à l'envers. On supprime les croix, on garde que bah, trois boutons. Tiens, ce serait sympa, trois boutons. Et juste un seul machin là. Et de faire un pad comme ça. Ce qui pourrait être vachement pratique. De le gérer en analogique et du coup de pouvoir avoir des déplacements bien fluides, puisque du coup en analogique les valeurs, alors je me rappelle plus, ça doit être du 0 plus 127 et du moins 127, une connerie dans le genre. Est-ce que dans ma doc j'ai un truc là-dessus?
Je dois avoir ça dans ma doc quelque part. Quelque part, quelque part. Quitte mon interruption, c'est pour ça. Voilà, ça c'est convertisseur analogique. Le convertisseur analogique, qu'est-ce qui nous fait de beau? Alors, on a bien une position X et une position Y. Ah ouais, ça c'est le brochage, donc j'en ai un peu rien à secouer. Ou enfin bref, ça doit être un truc dans ce genre-là. Et tiens d'ailleurs, avec combien il a de fire? Alors par contre, ouais, c'est tout pourri. Le... c'est un peu débile. Le Jay analogique, lui, il a que deux fire. Allez savoir pourquoi. Enfin bon, vu qu'ils ont déjà fait l'économie sur le joystick normal. Bref, et sinon, format de souris, avec port analogique, effectivement, ça pourrait être sympa, une souris qui serait quand même relativement dynamique, puisque bah, ça va de 0 à 127, si on a en mode 0, pour le coup, c'est largement suffisant, même en mode... ah non, en mode 1, ça va être un peu chaud, parce que si on est tout à gauche de l'écran, ça va être un peu chaud, mais bon, si on fout, on multiplie par 2, ou on fait une connerie dans le genre, on s'en fout. Un adaptateur de pad moderne que tu branches sur plusieurs prises à la fois sur plus. Ouais, on pourrait faire ça. Un pad qui utilise, par exemple, les deux prises joystick plus la prise analogique en même temps. Histoire d'avoir, du coup, bah, trois boutons pour la prise 1, trois boutons pour la prise 2 et deux boutons pour la prise analogique. Ce qui nous fait 8 boutons. 8 boutons plus les boutons directionnels. Du coup, on n'en utilise que... bah, l'idée, ce serait d'utiliser que celui du port analogique, ce serait quand même le plus intéressant, et puis du coup de garder les directions, donc 8 directions en plus, donc ça nous ferait 16 boutons plus le directionnel, ce qui serait quand même, là pour le coup, on a un truc tip top. Voilà! Si quelqu'un a les compétences de nous faire ça un jour. Alors pour la petite histoire, je me suis acheté un bouquin la semaine dernière, je vais faire la pub, je ne sais pas si j'ai le droit de faire la pub. Je vais cacher le truc, vous allez reconnaître tout de suite. Voilà, ce type de bouquin jaune pour les... voilà. Je sais pas s'il y a le droit de faire de la pub comme ça sur YouTube, donc je cache quand même un minimum le truc pour essayer justement, vu que j'y connais que rien, pour essayer de comprendre un petit peu les trucs et éventuellement de faire quelques petites bidouilles, parce que justement, j'aimerais bien me fabriquer un Joy avec... le bordel analogique que je montrais là. Donc j'aimerais bien me fabriquer ça. Donc je voudrais essayer de comprendre un petit peu plus l'électronique. Et puis surtout, ça m'aidera à comprendre un petit peu comment fonctionne électroniquement un CPC, parce que moi, j'y connais rien en électronique. Donc voilà, l'électronique pour les connards. Ouais, ce serait pas mal. Pour moi, ce serait à la limite, ils auraient dû faire ça. Électronique pour les gros cons, et du coup, ça aurait été un livre spécial pour moi. Avec de temps en temps dans le bouquin pour les remarques, un truc merde, putain, c'est chiant de se mettre en face d'une cam, de mettre un truc comme ça, tu sais, pour les trucs genre t'y arrives pas, voilà, ce genre de truc. Bref, on va passer au jeu, on va pas discuter toute l'année là-dessus. Alors, la scène de jeu, on voit le chat en entier, c'est nickel, c'est parfait. Voilà, que je vois un minimum. Ah oui, alors au passage, je vais revenir sur OBS et je vais mettre mon truc, parce que là je suis en Winamp sans border, je vais remettre Winamp normal. Il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était que mon CPC Plus qui, quand il boot, eh ben, il n'a pas les couleurs normales et il affiche des trucs bizarres. Alors c'est mon truc à moi. Donc là on a la ROM Ghost Plus. La ROM Ghost Plus, si on appuie sur CTRL et Tab, permet d'afficher le menu et de choisir les trucs à savoir. Alors, je vais me remettre au début. Au début, c'est... Non, c'est pas ça. Voilà. Soit lancer Graphos, soit lancer le viewer d'image, qui sert juste à voir les images faites avec Graphos. Soit capturer des sprite arms sur un écran SCR normal. Soit éditer des sprites, je vais montrer ça vite fait, l'éditeur de sprites, on va faire new. Voilà, on a un éditeur de sprites tout con, on peut changer les palettes. Là, je rajoute du rouge, là, je rajoute du bleu, là, je rajoute du vert, j'ai du gris, c'est moche. Voilà, on a les niveaux qui s'affichent en bas à droite, et puis on peut se déplacer. Alors, l'encre 0, c'est l'encre transparente, hein, parce que les sprite arts sont transparents, voilà. Hop,
Hop, on peut faire ça. On peut dessiner dans les sprite art sans se casser le cul. On peut zoomer les sprite art avec la touche copie. On voit le sprite art là que je zoome. Alors pour le dessin, j'avais pas fait ça. Ce serait bien que je le fasse aussi dans le dessin, qu'on puisse rajouter le zoom. On change de sprite en appuyant sur retourne. Et puis avec Escape, on a un menu. Voilà, bref. Donc il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le PAL Toolkit, c'est juste pour convertir les points PAL d'OCP+ version GRIM en points KIT, ce qui peut être pratique. L'ISCR2Go, c'est pour convertir un écran .SCR, donc de taille standard, au format Graphos, donc pour faire du full screen, ou pour l'envoyer sous Graphos et travailler sous Graphos seulement, même pour un écran standard, puisque justement, après, j'ai l'inverse, j'ai un Ghost to SCR qui prend un écran Graphos et qui le convertit en un écran .SCR de 16 kilos de taille normale. On dit pas zoomer un sprite art, mais magnifier, ouais, si tu veux, on s'en branle. On a le kit organise qui n'est pas terminé, donc j'ai une icône, mais ça sert à rien. Alors, le but du kit organise, c'était de changer l'ordre des couleurs. Voilà, donc ça prend un écran Graphos, on sélectionne une couleur, on dit qu'on veut la mettre à tel endroit dans la palette. C'est histoire d'organiser un petit peu la palette. Des fois, c'est un petit peu chiant d'avoir une palette qui est un peu bordélique. Sachant que, bon, on a Conv'Image chez PC qui trie la palette quand même. Il y a une option pour trier la palette. Donc, c'est pas forcément toujours utile. Mais sur certains trucs, ça peut être pratique. Donc, j'avais prévu ça, mais je ne l'ai pas terminé. Et c'est tout. On a Graphos. Graphos que vous connaissez peut-être, qui est un logiciel de dessin qui fonctionne dans tous les modes. Voilà, on peut éditer la palette. On a des vues maîtres pour éditer. On peut choisir son encre avec F0, F1. Dessiner. Donc là, je suis en mode 0. Normalement, on a. Là, j'ai un curseur, un carré rouge là sur la palette, là, celui que je déplace actuellement. On en a un autre que vous voyez à gauche qui est barré, qui est normalement pour la sélection de la deuxième encre. Sauf que cet abruti de Winep, normalement, on est censé faire Shift plus F0 ou Shift plus F1 pour changer la deuxième encre, mais sous Winep ça marche pas, et ça marche pas non plus sous Arnold, donc vous l'avez dans le cul pour utiliser la deuxième encre sous cet émulateur de Dove. Voilà. J'aurais pu vous montrer un petit truc, tiens, par exemple charger un graphe, on va vous montrer un autre truc rigolo. Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai fixe. Qu'est-ce que j'ai comme graphe que je pourrais montrer? Ça, c'est pas sorti. J'ai pour le montrer. Ça non plus. Ah, Pouznik. Tiens, je vais peut-être avoir. Ah non, j'ai final. Version finale. Tiens, hop, on va faire ça. Contrôle L pour charger. Final. Hop, on charge. Voilà, ça charge, ça charge. Pas que je perde trop de temps là-dessus. Voilà, donc là, voilà, on voit notre graphe, on peut monter et descendre, on travaille en full screen. J'ai rajouté une option dernièrement, parce que là, vous voyez le petit curseur en bas, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que la compression va peut-être le bouffer, on a un petit curseur pour choisir sur quel pixel on est. Alors, ce qui était très très chiant, c'est que quand on était genre tout à gauche, si on voulait retourner à droite, il fallait qu'on traverse tout l'écran. Donc j'ai rajouté vite fait la semaine dernière une petite option en appuyant sur la touche C, qui centre le curseur au milieu de l'écran. Voilà. Donc voilà, on peut dessiner en full screen sans problème. On se déplace sur l'écran comme on veut avec Shift et les directions. Voilà. Et on peut voir l'écran total. Alors, sachant que Winamp n'affiche pas toutes les lignes, il manque des lignes en bas. Donc, par exemple, si je veux voir la ligne d'en bas, normalement, là, je suis censé appuyer sur en bas. Sauf que regardez ce que me fait Winamp. Ah, bah tiens, ça marche ce coup-ci. Alors là, c'est rigolo parce que sur ce graphe, ça marche et sur les autres, ça marche pas. Va comprendre. Alors tiens, du coup, ouais, c'est marrant. Aujourd'hui, ça fonctionne. Hier soir, ça plantait bien. Donc, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bon, bref, c'était Graphos. Il y a des options. Hein, de copie de Windows, de remplissage, d'échange d'encre. Enfin, plein de petites options. Il en manque. Il y en a qui pourraient être pratiques. Alors, il y avait le fil que Targan avait fait, mais qui, pour une raison inconnue, ne fonctionne pas et est impossible à rajouter dans le truc. Donc, un de ces quatre, il faudra que je me penche sérieusement sur le problème parce que je ne sais pas d'où ça vient. Voilà. C'était Graphos, mon logiciel de dessin qui a déjà. Ah, il doit avoir plus de 10 ans hein, maintenant, Graphos. Hein. Mon graphe ne marche que sur Winamp. Ouais, ça doit être ça. Bref, voilà, c'était ça. Je vais remettre un écran sans border pour jouer puisque le jeu n'a pas de border. Et c'est parti.
Je vais donc charger un snapshot et c'est reparti. Donc on en était là et le but du jeu c'est qu'il va falloir que je retourne au tout début. Alors c'est quoi déjà? C'est ça la touche. Vous avez du son, c'est bon, le son c'est ok au fait, je vous ai pas demandé. Eux je dois pas pouvoir les tuer, donc du coup voilà, on va passer comme ça. Ah merde putain, je fais comment pour me casser d'ici moi? Je sais pas. Comment qu'on fait pour se casser? Alors, je vais recharger mon snapshot, du coup, ça sert à rien que je perde une vie. Est-ce que je peux me casser par là? Non, je peux pas. Alors, comment je fais pour me tirer? Parce que là, je suis un peu emmerdé, là, pour le coup. Alors, est-ce que il y a une sortie Non, il n'y a pas de sortie par là. J'ai pas le choix pour que... Ah, bah oui, bah, il suffit peut-être que je prenne simplement la porte. Voilà, c'est ça. Alors, par contre, je me rappelle plus par où on passait. Donc, moi, ouais, je peux passer par la gauche. Hop, je sais plus si je... pourquoi je passe par où. Je me rappelle plus. On va essayer. On va essayer de se casser le plus vite possible, sachant que je ne me rappelle plus dans quelle direction je dois aller. Voilà, je suis mort. Génial. Putain de bruit. Je vais recharger mon snapshot. Histoire de passer ce truc le plus rapidement possible. Donc c'est un petit jeu qui est vachement sympa quand même à la Sabini. Hop. Alors je sais plus s'il faut que j'aille là ou que je passe ailleurs. Je sais pas du tout. Je me rappelle pas du tout par où j'étais arrivé. Ah putain, je refais la même connerie sans déconner. Quel bruit alors. Je vais y arriver. Un jour, peut-être. Ouais, parce que ça me donne rien. Oh. Alors. À droite, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas s'il y a un raccourci. Je n'ai pas la map sous les yeux. Voilà, on va essayer de sauter par-dessus comme ça. Alors là, faut que je me méfie parce que ça. Oh putain, mais merde! Ça y est, ça va commencer à me gonfler dès le début, mais. Sans déconner, c'est quoi ce passage à la con? Putain. Et pas évident, hein, comme jeu, hein. Allez, on y va, on recommence. Je vais faire un snapshot ici, en fait, ça m'évitera de recommencer éternellement ce passage. De toute façon, je vais réussir du premier coup ce coup-ci, enfin, encore que ça m'étonnerait, vu comment qui m'emmerde. C'est crispant. Voilà. Hop. Voilà! Et je sais pas où je suis. Ouais, vas-y, crève. Putain. Alors, est-ce que c'est le bon passage ou pas ça? Est-ce que c'est le bon passage? Parce que ça me dit strictement rien. Ah bah oui, il me touche. Donc on va pas passer par là, ouais, game over, normal. Tiens, bah attends, on va juste le laisser pour savoir combien de crédits il me restait. Il me restait 6 crédits, ouais, donc ça devrait suffire pour terminer. Alors du coup, je vais repartir de là et je vais aller voir à droite ce qui s'y passe, ça a planté. Mais c'est original! Le jeu a planté. Ah ouais, non, faut pas que j'aille à droite. Oh la vache, putain. Je sais pas pourquoi, d'où ça vient. Alors, est-ce que je suis obligé... Ah non, mais il plante tout le temps.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'hallucine. C'est mon Snapchat qui est verrouillé? Alors là, ça va être très 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 embêtant. Ah ouais? Alors, je vais regoûter. Ça, c'est curieux. Parce que, alors, en plus, c'est emmerdant parce que je viens de re-sauvegarder le Snapchat. Donc, si c'est le Snapchat qui est mort, ça veut dire qu'on l'a tout simplement dans l'os. Voilà, ben on l'a dans l'os, donc vous n'aurez pas la fin d'Adam's Family. Merci, cette grosse daube de Winel qui m'a virolé mon snapshot. J'adore. Bon, ben j'aurais plus qu'à refaire ma partie de Adam's Family. Quelle merde, mais quelle dope cet émulateur, sans déconner. Alors, est-ce que si je relance l'émulateur, ça va changer quelque chose? Ça va surtout changer que je l'aurai plus sous OBS et que ça va me faire tout merder. Donc, je vais éviter ce genre de conneries. C'était Addams Family, Tarodus, mais là, ça a planté. Et a priori, c'est le snapshot qui est. Winep m'a foiré mon snapshot et m'a pourri le jeu. Hein, le jeu plante, donc c'est mon snapshot qui est mort. Donc je peux pas continuer en fait. Je suis obligé de bah, soit de recommencer à zéro, soit c'est quand même incroyable. Non mais là je viens de rebooter là si tu veux. Donc bon j'essaie quand même. J'éteins Winamp. Ah mais il m'a écrit des trucs. Ah, c'est hallucinant, il m'a écrit des trucs dans l'assembleur. Save change to division. Truc qui n'existe pas. Putain, mais c'est incroyable parce que c'est une bouse ce truc. Alors je réessaye. C'est incroyable la bouse que c'est ce simulateur. Ah non, c'est mort, c'est mort. C'est mort. Et alors là, du coup, il m'a remis un truc. Ouais, il m'a recréé un truc qui s'appelle Division. Alors pourquoi ça s'appelle Division? Allez savoir. Dans l'assembleur, quoi. C'est incroyable! Ah mais quelle bouse! Putain mais quand je dis que c'est de la merde comme émulateur, là c'est clair et net. Donc du coup, ce que je vous proposais tout à l'heure, bah, on va y venir tout de suite, c'est-à-dire savoir est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite partie de Strike Force Cobra, le jeu de Cobra Soft, soit Blackland. Bah non, mon vieux snapshot, je l'ai écrasé comme un con, je l'ai appelé du même nom. Donc, puis sous Windows, hein, il n'y a pas de fichier .bac. Hein. Ça ne met pas la corbeille non plus, je crois pas. Donc, je vais regarder dans la corbeille quand même. Non, la corbeille, elle est vide. Donc c'est baisé, c'est mort, c'est baisé mort. C'est baisé mort. Il n'y a plus de snapshot, je suis obligé de recommencer le jeu à zéro. C'est vraiment pénible. Non mais Macdest n'est pas tout seul. Moi, je voudrais que vous me disiez là, vous là, qui êtes là, ce que vous préférez, soit un Blackland, soit Strike Force Cobra, histoire de que ça plaise à la majorité. À Riti, à Tarodus, à toi Macdest, Moonbeam s'il regarde et puis Fred éventuellement s'il regarde aussi. Voilà. Bah tiens, ce que je peux faire, c'est vous donner un bref aperçu des deux jeux. Déjà. Hop. On va foutre un petit aperçu de Strike Force Cobra. Tac. Alors, Strike Force Cobra, il est un petit peu chiant dans le sens où c'est pareil, les contrôles, c'est moitié joystick, moitié clavier, donc c'est un peu chiant. Ma page d'écran n'est pas exceptionnelle. Là, on est censé choisir un personnage. Alors, je sais plus si ça fonctionne avec joystick. Hop, on en choisit trois. Donc, on va prendre un Américain. On va prendre un Français Dupont. C'est bien français. Et Dawson. Dawson. Hop. Voilà, on en a trois. Et puis, allez, on en faut trois ou quatre. Tiens, on va prendre un Bosch. Hop. Un Allemand, pardon. Voilà, et puis une fois qu'on a choisi 4, là on commence le jeu. Donc le jeu est en 3D ISO. On se déplace
dans un complexe. Alors, je ne sais plus c'est quoi le but du jeu, je m'en rappelle absolument plus. Enfin, c'est un truc d'infiltration. Il y a du temps, là, comme on peut le voir. C'est un truc d'infiltration, on peut lancer des grenades, on peut passer par les fenêtres, se mettre sur des portes, etc. Voilà, donc le but du jeu, c'est de faire soit ce jeu-là, d'essayer de le finir, sachant que ça va être compliqué, surtout si cet abruti de Winamp me foire tous mes snapshots, puisque je vais avoir besoin des snapshots. Voilà pour ce jeu-là. Je sais plus comment... Bon, bref, là, je suis planqué derrière le truc. On peut changer de perso. Je sais plus comment. Bref. Donc ça, c'est Strike Force Cobra. Et Blacklorn est un peu plus conséquent. Bon, c'est un jeu plus récent fait par des demo makers du groupe Bolaware. Bolaware, qui faisait des bons jeux, hein. C'est vraiment dommage qu'ils aient arrêté parce que bon, bah, ils avaient des pods de retour. Ah, par contre, est-ce que c'est en full screen ça? Pour l'instant, c'est pas en full screen. Donc on va laisser ça comme ça. Non, ça n'a pas l'air d'être en full screen. Je m'en rappelle plus, mais je crois pas que ce soit en full screen Blacklorn. Ouais, Strike Force Cobra, c'est un spéciport. Effectivement, Blacklorn, lui, c'est pas un spéciport. Hein. C'était fait pour CPC et sur CPC. Voilà. On va montrer vite fait le jeu. Histoire 2. On va faire Start New Game. C'était pas mal fait non plus Blacklorn. Hein. C'était un bon petit jeu. Alors j'y ai pas rejoué, donc si on fait ce jeu-là, je risque de chercher un moment parce que... USB to store up différents machins. Tiens, you can create a new save disk right now. Will be the side B of the game. Insérer le disque on choose drive A or B. Ben, on va mettre sur le drive B. Comment qu'on fait? Oh, il m'énerve. Qu'est-ce qu'il est chiant ce jeu. Putain d'émulateur. Hop, et drive B. On va mettre la phase B. Ok. On fait quitte, non? Ou bon, on va faire drive B. J'espère que ça va pas me viroler le truc. Oh merde, il formate la disquette. J'aurais peut-être pas dû mettre ça, j'aurais peut-être dû mettre kit. Bref. Bref, je voulais juste montrer le jeu. Oh là là, ça va durer 3 plombes cette merde là. Putain, j'avais pas prévu ça, quoi. Il est très compliqué, Blackland. C'est un jeu, quand il est sorti, j'avais joué un peu. Alors déjà, quand il est sorti, il était en allemand, donc je comprenais rien. Donc j'ai attendu la version anglaise pour pouvoir le lancer. Moi, l'anglais, moi, ça fait deux, donc je comprenais pas tout ce qu'il disait. Et c'est très très rapide de crever dans le jeu, hein, honnêtement. Ouais. Faut vraiment s'acharner, je pense. Donc le but du jeu, c'est de s'acharner en espérant que Winamp fonctionne. Putain, on en a pour 3 ans, quoi. Surtout que je m'en fous de sa sauvegarde puisque je ferai des snapshots. Donc j'en ai un peu rien à secouer. J'aurais mieux fait de mettre kit, quoi. Il gère le double lecteur ce jeu, donc il utilise ça sur l'émulateur. Ouais, manque de bol, la version anglaise aussi, tu comprends rien. Bah, je comprends un petit peu mieux que l'allemand, mais voilà, bon, je vois pas pourquoi est-ce qu'on se fait chier à faire des versions anglaises alors que le CPC, c'est en France qu'il a été le plus vendu, quoi. Je trouve ça complètement débile. Les Anglais, ils ont passé leur temps sur leur Spectrum de merde. Le CPC, ils l'ont pas tant utilisé que ça, sauf le pauvre 464 avec ses lecteurs cassettes, mon Dieu, quoi. Vraiment, on va pas demander aux Anglais de bah, d'utiliser 6128. Hein, non, mais, enfin, je trouve ça un peu ridicule quoi, de se faire chier à faire des versions insert disque C, putain, la vache. Ça va être super casse-burne ça. Hein.
Dis ce que c'est. Ah, dis ce que c'est. Vas-y, c'est bon. Vas-y, go, c'est bon, je t'ai dit. Putain, agis. Voilà. Alors. Donc je montre juste vite fait, puis après vous allez me dire lequel des deux vous préférez. Par contre, du coup, c'est un pseudo full screen. Donc il faut que je repasse en Winamp sans. Enfin, avec Border plutôt. Voilà. Hop, l'écran est un petit peu plus large. C'est un disque Side D. Ah, par contre, ouais, faut vraiment aimer changer de face tous les 2 secondes. Voilà. Vas-y. Go. Et un service site, putain, oh la vache, qu'est-ce que c'est chiant. Voilà, c'est bon, vas-y, gars. Allez, accélère, putain. Oh, qu'est-ce que c'est chiant, ces jeux-là, où il faut changer 50 fois de disquette. Ça, il faudra en faire une version cartouche. Donc voilà, ça, c'est Blackland. Donc on a des phases de dialogue, well, no, you know, gna gna, machin, hop, faut parler, ça parle pendant 3 jours. Donc ça, on le lira en entier si on décide de faire ça, sachant que je ne parle pas super bien anglais, donc faudra m'aider pour traduire ce qu'il raconte. Voilà, on passe ça, j'aimerais montrer le jeu en lui-même. Voilà, bon là, il y a un de nos persos qui se casse déjà direct dans le jeu. Bon, une version disque dur, ça sert à rien, personne n'a de disque dur. Voilà, et donc après, à partir de ce moment-là, nous, on a le curseur et on peut. Alors, je ne sais plus si on peut sélectionner direct un perso, voilà. Et le faire se déplacer. Oh, forcément, faut il faut qu'il y ait une espèce de gros con là, qui me gêne. Une espèce d'araignée toute pourrie, là. Je suis bloqué en manchier hein, si on fait ce jeu là. Voilà, bon bref, c'est de la 3D ISO, on se déplace et voilà. Donc à vous de me dire lequel vous préférez. J'attends vos réponses. Xmas, ça sert à rien, elle est même plus fabriquée. La Xmas, vu que Toto ne fait plus rien, a priori fait le mort et ne veut plus rien faire, la Xmas, ça sert plus à rien de faire des trucs qu'il l'utilise, vu que de toute façon, plus personne pourra en avoir. Ben ouais. Et puis, bah, voilà, de toute façon. C'est pareil, à partir du moment que tu utilises ce genre d'extension, bah, tu limites l'utilisation, quoi. Donc, Tarodus, t'en penses quoi? Tu préfères quoi? Magdès, a priori, toi, c'est Blackland que tu préfères. Tarodus, tu préfères quoi? Riti, tu préfères quoi? Ou un autre jeu si vraiment aucun des deux ne vous plaît? Tu dirais le deuxième, donc Blackland aussi pour Tarodus. Bah de toute façon, vu que vous êtes trois, c'est réglé. Puisque même si Riti veut Strike Force Cobra, bon, cela dit, moi j'aurais presque préféré Strike Force Cobra, mais ça fera 2 contre 2, donc on s'en sortira jamais. On va pas tirer à pile ou face. Hein. Donc ça va être Blackland. Donc du coup, on passe à Blackland. On passe à Blackland. Hop, on passe à Blackland. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter plus. Hop, je vais rajouter texte. Créer une nouvelle source texte. Tac, 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 tac. Ajouter. Non. Créer une nouvelle source texte. Ah, je rajoute une nouvelle source texte. Ok. Polystyrial, je m'en branle. Et on va dire Blackland. Blackland. On va marquer quoi? On va marquer Amstrad CPC 6128. Je crois pas que ça fonctionne sur 464. De toute façon, c'est un tab du 464.
On va mettre un petit copyright. Comment qu'il s'appelait? J'ai dit Bolaware, Bolaware, et c'est vieux. Voilà. On mettra pas de date. Voilà, parce que j'oublie tout le temps de marquer ce que c'est. Alors, il y en a qui me demandent ce que c'est. Je vais le laisser ce truc-là, tiens, au-dessus du chat. Puisque de toute façon, il ne doit pas utiliser le bas de l'écran. L'alarme à l'œil de Iron qui va devoir se farcir un jeu aussi énorme que Blackland pense à gérer les lecteurs multiples. Je ne sais pas ce que tu veux dire par pense à gérer les lecteurs multiples. Mais du coup, je vais regarder dans Winamp. Il me semble avoir vu un. Alors, c'était dans quoi? Un four drive machin. Où est-ce que c'était cette daube? C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Parce que moi j'ai tendance à décocher toutes les merdes qui servent à rien, puisque moi je veux un CPC qui fonctionne comme un CPC. Je sais pas, c'est où ton truc là que tu me racontes là que tu me racontes MacDess là. Parce qu'il me semble bien avoir vu un truc for drive bordel à cul. Ah, enable for drive. Non standard. Ok, alors maintenant si je vais dans le truc disquette, voilà, j'ai 4 drives. Mais par contre, est-ce que la question c'est est-ce que Blackland va réussir à me gérer 4 drives? Ça c'est la question. Ouais, j'ai lecteur A et lecteur B, mais je peux avoir aussi lecteur C et lecteur D. Alors par contre, non, il faudra peut-être mieux que je fasse lecteur A. Est-ce qu'on peut choisir la face? Allo single side read. Autoriser la lecture des 10 simples faces. Alors, est-ce que ça me change quelque chose? Ça ne me change rien. Ok. Je ne peux pas choisir face 1, face 2. Blackland, il en gère 2, ça c'est sûr. Moi, ce que j'aurais préféré encore, ce serait pouvoir mettre sur la face 1, dire c'est tel DSK, sur la face 2, c'est tel truc. Pff, ouais, on s'en branle. Donc, du coup, on va pas, je vais pas me faire chier. Je vais faire. Non, le for drive, je le dégage. Parce que ça va encore faire tout merder. Je vais utiliser que deux lecteurs. Et je vais mettre. Face B sur le lecteur B et face A pour l'instant sur le lecteur A. Voilà, c'est parti. On y va parce qu'il y a déjà l'intro à regarder. Parce que l'intro, elle est chouette, donc on va pas s'en passer. Et Winamp fonctionne plus, me fait un retry or cancel. Mais qu'est-ce que c'est de la merde, putain! Oh là 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 là, mais quelle catastrophe ce truc-là! Qu'est-ce qui lui plaît pas encore à cette espèce de daube? Putain! Sans déconner, quoi! Mais c'est vraiment de la merde, cet simulateur, c'est incroyable! Comprends rien, hein. Lui, tu changes un pauvre truc! Oh là là, et vivement que Kevin Taker nous améliore Arnold, parce que là, c'est vraiment une horreur! C'est une horreur, Winape! C'est vraiment de la merde! À part le débugger qui est bien, le reste, tout est à chier, quoi! C'est une honte, cet émulateur! C'est pas possible! Il y en a qui me réclament, il y a des Anglais qui me réclament des sous-titres sur mes vidéos et faudrait vraiment que je le fasse pour que. Non, non, c'est pas ma ROM Ghost qui plante quoi que ce soit, elle plante rien, ma ROM Ghost. Hein. De toute façon, si ça plante, ça veut dire que le jeu il est mal fait puisque normalement, avoir une ROM, sauf si t'en as 50 000 qui crée 50 000 RSX, ma ROM Ghost elle crée que 2 RSX. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va mettre l'introduction et je vais fermer ma gueule pendant ce temps-là. Ça va vous faire du bien.
Voilà. Donc c'était la petite intro bien sympathique en tout cas. Alors Magdès, tu demandais si le jeu gérait l'extra RAM. Eh bien écoute, a priori oui. Donc je vais aller en rajouter dans WinApe si je trouve où c'est. Voilà. Je vais mettre. C'est quoi cette merde là? Putain, il n'y a rien de logique là-dedans. 4 mégas expansion, c'est ça, Winamp, il fait un truc 4 mégas, ça n'existe pas 4 mégas. Hein. C'est 2 mégas maxi hein, sur ces PC qui ont été faits en machin. Alors je sais pas si du coup il va le détecter. Je ne sais pas comment il va le détecter surtout. J'ai rien compris à l'intro, donc. En gros, il y a des méchants qui ont débarqué, faut les buter, et puis faut aller chercher un vase ou je sais pas trop quoi. Bon bref. Je relirai le truc, puis je ferai peut-être un sous-titrage en français. Sinon ouais effectivement ouais l'intro elle est top. C'est Tarodus qui disait ça, mais effectivement l'intro macabre elle est franchement sympa et c'est tellement rare sur ces PC d'avoir une intro. Reste sur 64 plus 512, mais non il n'y a pas 64 plus 512, il y a 64 plus 256. Donc je trouve ça un peu pourri. Donc je mets 4 mégas et on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Déjà est-ce qu'il va le détecter puisque. Ah, Winamp, il émule des trucs qui n'existent pas, lui. Complètement idiot, c'est complètement aberrant. Je vois pas l'intérêt d'émuler 4 mégas alors que ça n'existe pas. Alors, start new game. Use CPC as RAM CPC. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. Ah, il doit y avoir moyen de relier deux CPC entre eux et puis d'en utiliser un pour la RAM. Sans doute. Donc ça, c'est pour copier les disquettes, voir les dernières news. Je sais pas quoi ça sert. Voilà. Voilà. Oh là là. Oh là là. Il m'affiche tout le même truc. Any key to continue, c'est bon quoi. Any key, mais pas fire quoi. Bon, bref. 124 plus 444 de RAM disque. Je sais pas de quoi tu parles, Magdès. Je sais pas de quoi tu parles. Bon, bref, on s'en fout. On va voir si ça marche comme ça, s'il détecte bien. On a plus de RAM ou pas, donc on va faire start new game. Est-ce qu'il a détecté? Alors si ça se trouve non. Ah putain non. Je crois, je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je relance le truc depuis le début parce que c'est au début qu'il affiche. Je fais une petite pause sur l'écran, mais il me semble bien que c'est au début qu'il affiche la RAM qu'on a et ce genre de truc. Donc deux drive found. Il dit pas si on a plus de RAM là. Hein. Ah, use RAM extension. Yes. Voilà. Please insert disque site C. Donc là, il va peut-être nous demander tous les disques un par un et tout foutre. Alors ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Mais effectivement, il me semble bien que moi sur mon CPC, parce que sur mon CPC, moi j'ai 2 mégas de RAM. Sur mon CPC plus, donc il me semble bien que quand je le lançais, je faisais tout charger dans ma même carte et du coup, j'avais plus besoin de me faire chier après. Et là, d'un seul coup, rien que pour le stream, ça va être super pratique. Le seul souci, ça va être les snapshots. Parce que cette espèce de gros con de Winamp va pas être foutu de sauvegarder toute la RAM hein, quand il fait un snapshot. Donc on va peut-être utiliser en fait les sauvegardes du jeu. Ce sera peut-être aussi bien. En espérant que ça fonctionne correctement. Je pense qu'on va faire ça. Ce sera peut-être moins risqué que d'avoir cette grosse daube là, de snapshot là, vu qu'en plus je ne sais pas les écrire correctement. Insère un disque side D. Hop. Et dans ce cas-là, la prochaine fois qu'on continuera le jeu, il faudra que je fasse ça avant de lancer le stream, que je refasse recharger tous les trucs en RAM. Parce
Je ferai un test hein, pour voir si ça marche, parce que si c'est pour avoir une mauvaise surprise comme avec Adam's Family, en même temps je suis un peu con, je devrais jamais faire des snapshots avec le même nom en permanence, parce que là du coup j'ai vérolé mon truc quoi. Un peu dommage. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que je vais faire, MacDess, du coup. Je vais faire la sauvegarde normale. Insert disque side A. Voilà. Hop, hop. Ah, c'était loin d'être des kékés, les mecs de Bolawer. Hein. Ils faisaient les choses en grand. Bon, bah, quand tu veux, par contre. Hein. Voilà, loading Blackland. Hop, on va passer ça. Start new game. Go. Ben là, par contre, c'est un petit peu con parce qu'il recharge quand même. Donc, on aurait pu charger ça dans le truc. Ouais, non, mais c'est ce que je vais faire. Blackland use site B to store up the different save game. Can create a new save disk right now. It will be the site B of the game. Oui, mais je veux pas qu'il me le sauvegarde, donc quitte. Bah quitte. Ah bah je vais faire continue save game alors. Puisque tout à l'heure il a créé le disque. Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Ouais, il charge sur la disquette B. Donc, a priori, c'est bon, game loaded, ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, déjà, on a des points d'expérience, on a des points de vie. HV, c'est quoi? C'est la magie, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc on va déjà lire ce qu'il dit. Donc on a le dieu machin fraise bordel. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Qui nous dit, well, now you know what it's all about. Do you feel ready for this enormous task? Donc en gros, est-ce qu'on est prêt pour cette tâche immense? Alors, it seems kind of. Bon, je sais pas, ça doit être une expression parce que Sims pour moi c'est il semble et kind of une espèce de et puis Tous par contre je sais pas du tout ce que ça veut dire et tous je crois c'est ça. On y va, hop. Alors, L of Tous task precisely said. L, bon. Ok. It may be a little too tough, I'm afraid. Ok. Je pense que ça veut dire tough. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire? Parce que alors, ce mot-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Yes, I already considered some doubt to torment your self-confidence. And so I prepare some sort of initiation. Donc voilà. Alors, en gros, il n'est pas trop sûr de nous. Tough, difficile. Ok. Donc, en gros, voilà, il sait pas si on est très doué, donc il a quelques doutes sur nous et il nous a préparé un truc d'initiation que moi, personnellement, j'ai jamais réussi à finir les peu de fois où j'y ai joué. So, you can give proof of your true capabilities to me and to yourself. Your power shall be tested to. Strengthen, hein? Strengthen, oh, d'accord. Trust and Awaken Fear, d'accord. En gros, il va tester nos vraies capacités de force, voilà, etc. De pouvoir, etc. Donc, bref, on va se faire tester. Alors l'autre, il nous dit, qu'est-ce que vous dites? Vous doutez de ma puissance, enfin de ma skill, de mon expérience.
terminer maintenant, mes amis. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mon regard éternel de l'univers, j'ai appris. Bon, j'en sais rien, bref. Voilà, c'est ça mon niveau d'anglais, vous voyez, hein. Vous avez offensé ma dignité de guerrier. D'accord. Je suis moi aussi un guerrier. D'accord, bon, il ne se sent pas offensé, lui. Si, hein, si, attention, mon vision, je réflexionne, d'accord, bon. Ah. Bah, Translate fail et en même temps, ils n'ont qu'à pas faire des jeux en anglais, quoi. On est le pays où ça a été le plus vendu, on parle français et on n'est pas foutu de nous faire une traduction. Je sais pas si quelqu'un vous pourrait nous faire une traduction de ce jeu, parce que en anglais c'est juste pas possible quoi. Moi ça me donne même pas envie de continuer le stream hein, quand je vois ce genre de truc, mais bon. Alors apprenez vos tâches d'initiation. A ham of really special kind. Ham, c'est quoi? C'est de la viande? Ham. Non? Ouais, très spécial, d'accord. I present for my Sunday. I store deep in my cellar. NB1. D'accord, bon, lui il reste là, c'est bien. Alors, il y a des rats, il y a d'autres saloperies. In the vault, je sais pas ce que ça veut dire. Not too dangerous, but not to be underrated. Il ne faut pas les sous-estimer. Non mais Bolawar, ils ont complètement arrêté, je t'ai dit, parce que bah justement, suite à ce jeu-là, ils n'étaient pas motivés, ils ont arrêté, voilà, enfin jambon, viande, pareil, parce qu'il n'y avait pas de retour quasiment sur le jeu, donc ils ont arrêté, parce que bah voilà, il n'y avait pas de motivation. Voilà, alors Vermine, j'espère qu'il n'y a pas d'insectes, je déteste les insectes. Donc alors déjà, lui, on va éviter de le faire se battre avec des insectes. Hein. Quel non-sens. We are not pest controllers. Ok. We are not pest controllers to clean up the dark rooms. He has never to be seen again. D'accord, j'ai rien compris. Arrêtons de discuter. That's not a job for a warrior. Alors, lui, il n'est pas content. No, it's not indeed. Raise did you start an easy beginning to fortify your spirit because to dare the great ones. Non, on n'a rien compris, j'y comprends rien. Et un CPC 95 de l'année quand le CPC était mort. Ouais, d'accord, si tu le dis. Je veux bien que tu me fasses des sous-titres, hein, à la limite, si tu as le temps, vite fait, Mac, de mettre ça, et puis comme ça, je mettrai ça sur ma vidéo, les sous-titres en français, quoi. Alors, The Fresh is Right. Donc, il a raison. Il va le faire pour lui, pour nous, pour le Fresh, d'accord, ok. Will not be sold by these fears, anger for more, ok. Donc en gros, il lui dit, tu peux dégager par tout seul. Une tuyau mine is purge, j'en sais rien, Destiny. Will you force when the time is right. Bon bref, ça discute, qu'est-ce que c'est chiant, putain. That's one thing that so sure of hier, j'y comprends rien, c'est pas grave, whatever, the first quest await for you now, d'accord. You are a keeper of Cellar Shore, accompany you. Bon, c'est l'araignée, quoi. D'accord, ok, allez. Window to be prepared for the greater task, ok. Yes, and hurry, a little snack is now to... And even the prophet. Well,
Bon, j'ai rien compris, on s'en fout. En gros, il y a le gros guerrier là qui est pas content, il veut pas qu'on le teste, voilà, il estime qu'il est suffisamment fort et hein, qu'il a pas besoin qu'on lui casse les couilles. Donc voilà. Ok. Alors, ce que je vais faire, disque pour sauvegarder, save, parce que j'ai pas envie de me retaper ça. Yes. Ah, il y a plusieurs slots. Save game, start the new game. Talk to fresh. Which slot do you want to override? Bah, celui-là, écoute. Hein. Talk to fresh. On va mettre. Hop. Merde. On va mettre début. Voilà. Toc. Il sauvegarde. Alors, bref, tu dois aller dératiser, ramener son jambon. Le guerrier est trop fier pour ça et il se casse. Oui, ça j'avais compris. Ok, donc on doit aller chercher le jambon de l'autre. Donc là, on a des trucs différents que je ne sais absolument pas ce que c'est d'affichage. Là, je sais juste que ça, c'est les points d'expérience. Ça, c'est les points de vie. Ça doit être de l'énergie. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et ça non plus. Voilà, on est vachement bien avancé. Bon, maintenant je l'appelle début parce qu'après je l'appellerai pas début, je donnerai un autre nom à la con. Alors, on peut examiner, on peut utiliser, on peut prendre, on peut poser. Give, je sais pas, c'est quoi la nuance entre give et. Enfin, c'est voilà, c'est faire quelque chose, quoi, mais je sais pas quoi. Si je fais give, il y a quoi? Nobody in front of. D'accord. On peut parler et dans les options, on a quoi? On a quitté, on a la version, on a. Je sais pas ce que c'est ça, maudit. C'est quoi? Ok, that's it, fast walking mode. Alors, fast walking mode, ah ouais, ça peut être bien ça. Pour marcher plus rapidement, parce qu'il me semble que le jeu est quand même super lent. Donc, on va activer ça. Automatic inquiry. Je sais pas ce que ça veut dire. Knock during talk. Scroll text always. Je sais pas ce que ça va être la différence. Darkling picture. Ouais, on s'en fout. Leader auto switch. Je sais pas. Two player mode. Ah, on peut jouer à deux. Tiens, ça c'est cool. Show HP of enemy. Ouais, ça peut être bien. Voilà, ok. Donc là, on a fini. On fait OK, that's it. Voilà, les options, c'est bien. Alors, du coup, je serais peut-être obligé de les refaire. Ennemis, c'est quoi? Ça nous montre les ennemis. Il n'y en a pas. Je vais re-sauvegarder sous le même truc. Puisque du coup, il va sauvegarder sans doute mes options. Ce ne sera pas plus con que j'ai pas besoin de les remettre. Voilà. Hop, je le sauvegarde sous le même nom. Vas-y. Tac. Alors, on voit qu'on a en bas. Tant que j'y suis. Alors, je vais attendre que le truc revienne. Donc, on voit qu'on a les HP, les machins pour tous les ennemis. Ok. Et on voit qu'on a ici l'heure, le jour. Alors, WinSD, je suppose quel jour, j'en sais rien, je m'en fous. On est le 5 janvier et on est dans l'année 103. Et là, on a une espèce de lune. Donc, je suppose qu'il fait nuit, ça doit être ça. On a un plan de la pièce qui nous dit où on est. Et on a des icônes qui doivent être. Alors, ça, c'est la carte, mais je pense que. Voilà, on n'a rien pour l'instant. Mais on a un plan, donc ça peut être pratique. Ça, je ne sais absolument pas ce que c'est et j'ai pas tellement envie de cliquer dessus parce que ça risque de nous faire chier. Tout ça, je ne sais pas à quoi ça sert. On regardera, quoique. Faudra regarder maintenant, en fait. On va regarder maintenant. Alors, return to game, d'accord. World party may rest. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bartok may rest. Ah, on peut dire à certains personnages de rester ici. Ah, c'est bien, on peut séparer les personnages. D'accord, ok. Ok, d'accord, on retourne au truc. Alors, ça, c'est la façon. Nobody in front of. Voilà, donc ça, c'est pour attaquer. Ça, c'est quoi? C'est les fiches pour dire ce qu'ils ont. Alors, tiens, bah, ça va être intéressant. Alors, eux, c'est l'expérience, d'accord. Magical 5, 005. Donc, c'est quoi ça? C'était où? C'est le. C'est le quoi?
Je le vois pas, en fait, ça correspond pas à ce qui est marqué au-dessus de lui. Donc je sais pas. Ouais, ça le fait dormir, mais du coup, ça le fait rester dans la pièce où il est, je suppose. Ça permet de les séparer, sans doute. Close combat, distance viewpoint. Distance donc des armes, ok. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Donc pour l'instant, tout ça, je sais pas. On verra. Oui, ben ça, MP, oui, je sais que c'est les points de magie. C'est les autres que je me pose des questions. HP, ça c'est l'énergie. Ça, c'est MP, c'est les points de magie. On a l'expérience, ok. La magie, mais du coup, ça correspond à ce qui est, pas à ce qui est marqué à côté du personnage. C'est ça qui est un peu curieux. On s'en tape, j'ai envie de dire. On verra petit à petit. Ah, le poids de ce que tu portes, ah putain, alors si en plus il gère ce genre de truc. Close combat, attaque corps à corps. Hein. Ok, d'accord. Donc là, on peut voir les trucs pour tout le monde. Voilà, c'est bien. Et maintenant, on se casse comment? On clique sur le truc. Ah tiens, le curseur, il passe de droite à gauche. Ça peut être super pratique. Alors, si on fait examine. Le sol. Non, on s'en fout, ça fait rien. Donc, bah écoute, on va. Ah la vache, oui, ça se déplace vite. Je suis bloqué. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah, ouais, alors là, ça se déplace carrément plus vite. Putain, j'ai du mal avec les directions. C'est-à-dire que là, on n'a plus d'animation entre les mouvements. Donc, il me semble qu'il faut qu'on prenne la porte du fond, si je me souviens bien. Vas-y, go. On va aller là et on va aller là. Putain, ça gère la faim, la fatigue et tout, ça va être super chaud, quoi. Ma mère m'avait bien dit que l'anglais était une matière importante. Oui, mais moi, ça m'intéresse pas. Ah bah merde, et je vois rien en fait. Putain, daube. Alors, il me faudrait une lampe. Une torche. Alors, on va peut-être reparler à l'autre guignol. Hein. Comment qu'on fait pour se barrer? Il gère pas le deuxième fire, c'est un peu con. Je suis bloqué là, je peux pas bouger là, je sais pas comment je fais. Alors, échappe. Échappe. Non. Espace. Putain, sans déconner quoi. Alors, je sais pas si c'est laquelle des touches qui a fonctionné. On peut lui parler à lui? Non, on peut pas. C'est pas retourne, c'est. Espace, ça marche pas. Retourne, ça marche pas. Échappe, ça marche pas. Fire, ah c'est fire. Putain. L'inventaire, alors oui, mais je veux bien, mais il est où moi? Use. Used. C'est quoi ça? C'est une torche, hein, ou. Non, je peux pas. Si, stop. Alors, on va y retourner. Non, c'est pas ça. Donc, c'est pas ça. Examine. It's too dark. Donc, c'est mort. Il faut que je revienne dans la première pièce. Alors, déjà, si on en est à se faire chier, déjà, rien que pour le premier truc, ça va être chaud. Comment je fais? Pour choisir un autre personnage, tiens, genre la gonzesse, est-ce que je peux. Voilà. Et on va se déplacer avec elle, du coup. On va regarder le mec, tac, stop, et on va faire talk par exemple. Qu'est-ce qu'il va nous dire? J'ai rien compris. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai rien compris. On va prendre un personnage genre lui. Et on va aller. Non. C'est pas ça que je voulais faire, putain. Lui. Voilà. On va monter. Tu veux pas monter? Examine. Skittle is empty. Donc ça doit être le chaudron.
Icône de groupe en haut à gauche. Icône inventaire en haut à droite. Repos, carte du bas. Oui, non, mais ça, je m'en tape si tu veux. Là, ce que je veux, c'est prendre un truc là. Prendre du feu, quoi. Il doit bien y avoir moyen de prendre un machin de feu, quoi, sans déconner. Alors, si dès le début je me galère comme ça, je vais vite arrêter, ça va vite me casser les couilles. Je supporte pas de perdre mon temps. C'est un truc que je déteste, c'est bien de perdre mon temps. Donc, soit il prend du feu quelque part, soit j'arrête et je laisse quelqu'un d'autre faire un stream sur ce jeu parce que là, ça commence déjà à me casser les couilles dès le début, quoi. Je sais pas, quoi, tu peux pas prendre. Mets-toi vers le truc, salope. Hop, take nothing here. C'est d'une galère, putain, sans déconner. Y a pas moyen de prendre un putain de flambeau qui est au mur, quoi. Sans déconner, quoi. Dans le coin, bas à droite, icône inventaire. C'est laquelle? Ça, c'est la carte, c'est pas ça? Ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est, il n'y a pas de truc inventaire là, il n'y a rien là. Alors ça va me casser les couilles dès le début. Moi je vais arrêter, hein, sans déconner. De toute façon, je voulais pas le faire. Déjà, je là. Enfin, je voulais pas le faire. C'était pas celui que je voulais faire en priorité. Là, ça me saoule. Sérieusement, là, dès le début, ça me casse les couilles. Là, c'est un stream pourri, je vais même pas le mettre en ligne. Ça sert à rien de le mettre en ligne puisque là pour l'instant on n'a rien fait depuis le début. Ça fait plus d'une heure qu'on est sur le stream, on n'a toujours pas bougé de la première pièce quoi. Donc soit il y a quelqu'un qui me file un coup de main, soit moi je vais arrêter ou je vais essayer, tiens, je vais essayer d'aller vers l'autre pièce là-bas. Parce que moi je vais pas me galérer là comme ça avec un jeu de merde là pendant trois plombes. Et pas question que je perde mon temps là, j'ai autre chose à foutre que de m'emmerder avec ça. Un sort de lumière. Qu'est-ce que tu veux que je sorte un sort de lumière? Tu me fais marrer avec ça. C'est absolument pas intuitif comme truc là. Puis là, les autres qui me bloquent là systématiquement sur mon passage là. Voilà, donc là je suis dans la pièce, mais je vois rien. Alors, on peut faire quoi? Là, j'aime pas me faire chier avec des trucs. Je ne supporte pas de m'emmerder avec ce genre de merde là. Ça change rien, je sais pas ce que c'est. C'est une galère. Faut lire le manuel, j'ai autre chose à foutre que de lire le manuel, tu vois, justement. Moi, les jeux où que faut que tu passes 3 ans à lire, à faire des trucs, ça me saoule très très vite, tu vois. Et là, pour l'instant, c'est en train de me saouler, mais sérieusement, puisque là, j'ai réussi à rien faire depuis le début. Donc moi, ça va me gaver, on va faire autre chose, on va changer de jeu, parce que là, ça va me gaver. Donc trouvez-moi vite un autre jeu, parce que là, je perds patience, là, sérieusement. Sérieusement. Là, pour l'instant, pour moi, là, c'est de la merde. Ça sert à rien de perdre son temps avec cette saloperie. Drop posé, j'ai pas besoin de poser, vu que j'ai rien. Qu'est-ce que tu veux que je pose? Tiens, on va essayer de prendre la torche qui est là, tiens, peut-être. Take. En plus, t'as pas le droit de les prendre. Ah, donc j'ai une. J'en ai une là, une torche là. Peut-être. C'est où l'inventaire? Je sais pas où il est l'inventaire. Bon, alors attends, on va voir. Used. Non, j'ai rien. J'ai rien. Tech. Ouais, ben, ça me fait marrer, moi. Elle est où? Il m'a dit qu'il m'en donnait une, il me l'a pas donné, là.
Ah, elle est juste devant moi, non? Ah, devant mes pieds, là, on dirait qu'il y a un truc là. Tech. Voilà, des torches, putain. Ah, dis donc, on va y arriver peut-être. Allez, maintenant on a la torche. Hop, on y va. Alors, par contre, je suppose que vu qu'on a la torche. Putain, par contre, il faut appuyer 3 heures sur le truc. Je vais utiliser ça. Ouais, bah c'est bien, j'utilise ça, mais ça, je peux pas l'utiliser pour allumer ma torche. Là, je peux pas l'utiliser, ma torche. Elle est où, ma torche? Je l'ai prise. Mais qu'est-ce que ça me gave? Je l'ai pas prise. J'ai sélectionné. Hein. Putain, sans déconner, quelle merde. Là, c'est pareil, les personnages, ils sont obligés de te suivre. Là, il n'y a pas moyen de les faire aller se foutre le cul ailleurs, là. Sans déconner, putain, ils me gênent, je peux pas bouger. Cassez-vous, putain de bande de connards. Allez, appuie 3 heures sur. Oh là là, c'est une catastrophe. Hop, tourne-toi. Tourne-toi, je t'ai dit. Tech. Je prends ça. Ah oui, j'ai fait stop, faut faire OK. Torch taken. Voilà, ça y est, j'ai enfin des torches. On va peut-être enfin pouvoir bouger. Alors, use. Utiliser une torche. Mais voilà. Ok. Oh, miracle. Putain, un peu de lumière. Alors, on voit rien. C'est moche. On voit rien, c'est moche. On voit rien, tant pis. Alors, est-ce que je peux pas. Est-ce qu'on peut pas donner? Give. Voilà, give. Est-ce que je peux donner? Nobody is. Alors, il n'y a personne en face de lui. Hein, seulement que. On voit tellement bien. Ah, ouais, d'accord, je suis là. Ah, j'ai descendu un escalier. D'accord. Alors, vas-y, avance. Retourne-toi. Retourne-toi. Allez. Oh, ça réagit pas au. Alors, give. On va donner. La torche allumée. Ok. Donc je l'ai donné à lui. Donc lui, je vais faire hop, use. Ok. Voilà. Maintenant, je vais reprendre ce personnage-là. Je vais faire use. Et il va utiliser une deuxième torche. Voilà, d'un seul coup c'est plus beau. Donc on a deux mecs avec une torche. Donc déjà, voilà. Donc déjà c'est mieux. Alors, est-ce qu'on peut examiner? Ici Bartok. Ah ouais, il peut examiner que ce qui est en face de lui. Alors là, par contre, ça va bien être casse-couille. Ça va bien être casse-couille. Alors, ce que je vais faire, c'est un peu con, mais je vais déjà sauvegarder. Puisque vu comment j'en ai chié rien pour faire ça. Voilà, et je vais sauvegarder sur un deuxième truc. Et je vais l'appeler pièce 1. Alors, pièce 1. 1. Avec la lumière. Oh. Deux points. Ah, il n'aime pas le deux points. Ouais, bon, ok, on s'en fout. Ah, il est en QWERTY cette saloperie. Le jeu est en QWERTY, quoi. Vraiment, gros star. On va peut-être réussir à faire quelque chose. Alors là, par contre, on a une pelletée de porte. On a peut-être un truc là qui semble à la porte qui est tout à gauche là. Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais pas cacher le curseur.
De Winape là. Alors dans le display j'avais mis hide mouse pointer et je vais pas le hide. Je vois pas, donc c'est pas ça. Comment est-ce qu'on fait pour le voir? Ah oui, ben non, parce que moi je capture le truc, donc on peut pas le voir. C'est dommage, il m'aurait fallu un pointeur de souris. Je peux pas. Je peux pas parce que je capture pas une fenêtre en vrai. Bon, bref, on va aller voir ce qu'il y a. Il fait quoi là? Je suis. Il est encore en train de sauvegarder. Il n'a pas fini de sauvegarder. Ah oui, j'étais en pause. Game save. Ok. Donc c'est parti. Non, 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 pas si vite, putain. Il est bloqué, pauvre crétin. Oh là 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 là. Oh, finalement, je vais peut-être enlever l'option déplacement rapide. Parce qu'on a du mal à se rendre compte. À se rendre compte de ce qui se passe. Voilà. Voilà. L'autre crétin vient se mettre devant moi. Putain! Sans déconner, quoi. Voilà. Et là, en face, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Examine the bag. Ah, il y a un sac et il y a plein de trucs dedans. Donc, on va les prendre. On prend tout. Des carottes. D'accord. Donc, si on a envie de bouffer. Et des torches. Ok. Ok. De toute façon, tu peux aller te coucher parce que moi, je pense que je vais pas durer 3 heures sur ce stream. Hein. Ça fait déjà 1h30. Voilà. Alors, on va prendre la première porte qui est ici. On va aller voir ce qu'il y a là. On arrive dans une pièce. Il y a un ennemi. Là, qu'on voit avec ses points... Qui doit bouger? Pourquoi est-ce qu'il me demande ça? Ben Frédéric. Ah d'accord. Oh, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et il bouge pas là, je vois pas où il est. Ah oh, la vache, faut regarder la carte en bas là. D'accord. Alors, c'est quoi? C'est le devant, c'est ça. Et maintenant, on va attaquer. Ok. Alors, cette icône, c'est quoi? Je ne sais pas. Donc, d'accord. Donc là, je peux déplacer tous mes personnages un par un. Oh là là, alors là, oui, on est en mode minimap. Donc en fait, on se déplace sur la minimap qui est. Oh, Bobby, bon, alors lui, il se déplace quasiment rien. Alors peut-être parce qu'il a trop d'objets. Bon, alors, les autres, c'est bon. On s'en fout. On va laisser qu'un personnage. Il est à l'envers, forcément. Génial. Complètement con. Bah oui, forcément. Je me suis fait détruire un truc de malade. Oh la vache. Alors, on se décale d'une case et là on va tourner puisque en fait le devant c'est ça. Voilà. Et là on va attaquer cette espèce de saloperie. Voilà. Et donc l'autre c'est Coromon. Qu'on va faire monter deux fois. Et c'est suffisant, il sait pas faire autre chose. Donc hop, terminé. C'est dommage parce que là j'ai touché l'autre saloperie une fois. Bon, ça montre un petit peu. À ce moment-là, on reprendra le. Ouais, je suis en mode combat. Le prochain coup, on reprendra. Je vais pas refaire de sauvegarde. C'est-à-dire que le prochain coup. En fait, non, je vais pas faire le prochain coup, c'est que je vais le faire maintenant, juste après. Voilà, hop, hop. Normalement, il est mort. Voilà, et personne ne bouge. Normalement, il est mort, lui. Hein. Ah non, il est pas mort, putain, la haine.
Alors mes points, moi, ils sont où? Ah, j'en suis à 17. Ok. Donc, alors Frédéric pour une araignée, c'est un peu bizarre comme nom. Hop, on le tape. Normalement, là, ce coup-ci, ça devrait être bon. Il devrait être mort. Je me rappelais pas du tout de ce mode. Voilà, il est mort. Et on repasse en mode normal. Donc effectivement, il y a un mode pour le combat. Alors, est-ce qu'on peut du coup... Donc j'utilise l'araignée, là, l'espèce d'araignée. On va faire examine pour examiner le cadavre du truc. Alors, on a du fric et on a une arme. Donc je vais prendre le fric et je vais prendre l'arme. Voilà. Moi, le couteau, il va me servir à rien, je pense. Je ne pense pas que l'araignée ait pu utiliser. Si, elle peut utiliser un couteau. Bon, elle peut utiliser un couteau. Voilà. Donc l'araignée, elle ne peut pas utiliser ça. L'araignée, elle ne peut pas. Donc l'araignée, elle va lui donner le couteau. Oh putain, faut être en face. Qu'est-ce que c'est lourd, ça, hein? Voilà, là elle est en face de l'autre. Et on va donner le couteau. Ok. Voilà, et donc l'autre maintenant. Use. Donc il a une hache, il a des petits couteaux et il a un couteau comme ça. Il a un casque aussi. Ah, mais il a un bouclier, pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas son bouclier lui, cette espèce de crétin? Ah, c'est la torche ou le bouclier, c'est quatre objets à la fois. Donc ce que je vais faire avec lui, c'est que il va se tourner. Voilà, il va donner sa torche à la Poufias. Vanessa. Et Vanessa, du coup, va utiliser la torche. Ah bah non. Non, si j'utilise la torche, ça m'enlève mon arc. Oh, quel merdier. Ah, c'est quoi ça qui est là? Putain, alors elle a plus rien faire, quoi. M'étonne pas, tiens. Quel conne. Mais quel conne. Alors peut-être que lui, par contre. Give, est-ce que je peux donner ma torche à l'araignée? À l'araignée, et est-ce que l'araignée peut l'utiliser? Puisque l'araignée, de toute façon, elle ne peut pas. Voilà, alors elle peut rien faire. Elle peut rien faire, donc on va recharger la dernière sauvegarde. Disque, load. Il y a encore du monde là, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Pièce 1, lumière. Voilà, on recharge ça. Game loading. Voilà, donc on était là. Donc là, il y avait de la bouffe dans ce truc-là et des torches, il me semble. Mais je t'ai pas demandé d'aller là, putain! Espèce de bourrique! Putain, mais sans déconner là! Descends! Connasse! Voilà, il y a toujours les autres là qui se mettent devant nous. Qu'est-ce que c'est chiant! Oh là 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 là, le mode là de déplacement et d'une pénibilité. Casse-toi là. Voilà, alors, on va faire dormir certains là parce qu'ils me cassent les couilles. Bartok, dehors, ne fais pas chier. Ah, je peux pas faire dormir celui que j'utilise. Vanessa, elle est où, cette conne? Non, elle va me gêner. Donc, retourne to game. On va prendre l'araignée, parce que moi, je veux l'araignée. Et du coup, on va faire dormir les autres. Gouramon.
Voilà, retourne. J'ai l'araignée, donc je vais déplacer. Voilà, hop, et je vais faire dormir. Ah non, elle va me faire chier. Non, retourne to game. Je vais la faire se déplacer. Histoire qu'elle ne me gêne pas. Voilà. Et je vais la faire dormir. Retourne to game. Donc, il faut que je sélectionne celui-là, puisque c'est celui-là que je vais utiliser. Et je vais faire dormir cette salope, histoire qu'elle ne me casse pas les couilles. Voilà. Alors, j'ai mon araignée que je vais pouvoir déplacer comme je le veux maintenant. Voilà. Qui va aller là? Voilà. Qui va examiner le truc? Qui va prendre toute cette merde? Ok. Et maintenant, elle va se déplacer. Alors, je vais peut-être pas la faire combattre, je vais peut-être utiliser le guerrier, tiens. Voilà. Hop, l'araignée. On s'en fout, on va prendre lui. On le réveille. Voilà, l'araignée. On va la faire dormir. Où est-ce qu'on l'emmène avec nous? On va la garder. On va la garder. Et par contre, nous, on va aller buter l'espèce de trou du cul, là. Par contre, il m'a pas gardé mes options. J'avais dit que je voulais enlever ça. Voilà. Tu me laisses ça. Et on y va. On arrive là. Donc là, on passe en mode combat. L'autre, il m'attaque direct. Enculé. Bartok. On bouge d'un. Et on lui pète sa gueule. Mais on les voit pas, ces points là! Qu'est-ce que c'est que ce merdier? J'avais mis que je voulais voir les points des ennemis. Ah si, on les voit que quand... Oh, c'est un peu pourri ça. Hein. Voilà, hop. Et on lui pète sa gueule. Il lui en reste 13. Voilà, il en reste plus que 3. Hop, c'est bon, il est mort. Normalement. Bah non, il est pas mort. Il en restait que 13. Je suis mort! J'hallucine. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout. Donc on va arrêter là pour ce jeu, parce que ça me gave, et puis en plus il n'y a personne qui est là, donc personne qui écoute. Donc, voilà. Voilà. Ça fait 1h40. Ça fait 1h40, et ben ça fera 1h40 parce qu'on va arrêter. Je vais aller chercher sur CPC Power une petite démo pour terminer. Je sais pas quoi. Tiens, je vais repasser en mode win episode pendant.
Je me suis trompé, je me suis trompé, je voulais mettre la cam seule, du coup vous m'entendiez pas. Du coup, je mets une petite démo, et puis on en reste là, puisque ça m'énerve. Et on verra une autre fois pour continuer ce jeu qui m'a l'air bien compliqué et bien difficile. Ça va pour être drôle, je vous le dis. Allez, sur ce, bah, merci à ceux qui étaient là pour suivre, donc qui n'avaient rien à faire de leur dimanche après-midi. Le prochain coup, bah, soit j'aurai le temps de refaire Adam's Family et de me rendre à l'endroit où j'en étais, de refaire un snapshot. Ça ne motive pas plus que ça. Soit on continuera Blackland. Maintenant qu'on a vu un petit peu vite fait le fonctionnement et qu'on commence à comprendre à peu près comment ça fonctionne, soit bah, on fera autre chose. Hein, on va pas se faire chier la bite. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis c'est tout. Voilà, allez, ciao!